Shuv, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, V'Shavua Tov à vous tous, Kol Mishe Shomea, Bezrat Hashem, pour les Shiurim, TorahTraim.net. Une fois de plus, avant de commencer, mille Toda pour votre soutien. Bezrat Hashem, que Niskel Agdil Torah la dira, une Torah Bezrat Hashem de vérité, une Torah Bezrat Hashem fidèle à la halakha, et une Torah Bezrat Hashem d'Alia sioniste, Bezrat Hashem, pour tout celui qui veut monter en Eretz Israël, Shinske, Ishmoa, Besorot, Yeshua, Venechamot, le Kolam Israël. Le Shiur, aujourd'hui, on est dimanche 16, Tetzain, du mois de Iyar, le 10 mai, Bezrat Oed Barach. Le Shiur a été acheté pour l'élévation de l'âme de Michel Esther Hassoun Bat Mana, Roi Hashem Tenachana Began Eden Elion, Bechol Ashorvot, Ima Bichlal Arachmi, Vasilichot, Bechen Yeratzon, Venomar, Amen, Tiel Shmata Tzorachaim. Et en même temps, pour tous les métés Israël, Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, Morat Mek, Dosha, Batora, Sarat, Alia, Batafra, Miriam, et Kolam Israël, Biote, Minaklal, pour ne pas tarder, Bezrat Hashem. Yala. On est avec la Mishnah, Yud Gimel de Maseret Avot, Perek Bet. Rabbi Shimon ben Netanel, non pas Rabbi Shimon ben Yochai, dans deux jours ce sera la Iloula de Rabbi Shimon ben Yochai, l'Agba Omer, on parlera de ce shiur tout de suite après pour ceux qui sont intéressés à nous suivre, Bezrat Hashem. Il dit, Rabbi Shimon ben Netanel, un enseignement de Emet Yotze Minaklal et à comprendre. Eve Zahir Bikriyat Shema. Fais très attention quand tu lis ton Kiryat Shema. Le Kiryat Shema est une ordonnance de la Torah. Donc, c'est une mitzvah tassée quand je fais le Kiryat Shema d'accomplir cette mitzvah qui est une mitzvah d'Oraïta, de la Torah. Bataki d'Aboyom, Balaïla, c'est une chose. Mais le fait de lire le Kiryat Shema, Urshor Becha, Ufkumecha, quand tu te couches, quand tu te lèves, le matin, le soir, on doit lire le Kiryat Shema. Les femmes aussi, c'est bien qu'elles le lisent, Bevadaï, si la question est là. Même Kiryat Shema à la mitzvah d'une importance capitale. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le Kiryat Shema? Il faut savoir que les 10 commandements sont cachés à l'intérieur du Kiryat Shema. Dans certains sidourim, avec les kavanot, là-bas, il marque, comme dans mon livre, entre autres, un demi-sidour, il te marque exactement « Je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face », et ainsi de suite. Les 10 commandements sont cachés dedans. Deuxièmement, vous savez qu'il y a 248 mots dans tout le Shema Israël, 245, plus les 3 mots qu'on rajoute, « Je suis l'Éternel, ton Dieu », « Ani Hashem Elokechem », ça fait 45 et 3, 48. 48 qui correspond aux 248 que nous avons de mots dans le Kiryat Shema, aux 248 membres. Ce qui fait que chaque fois qu'on fait le Kiryat Shema, ça vient raviver nos 248 membres. À part ça, il y a d'autres mitzvot assez d'Oraïta, puisque nous avons l'obligation tous les jours de nous souvenir de la sortie d'Égypte. Nachon ? Tous les jours, on doit accomplir la mitzvot de se souvenir de la sortie d'Égypte. Ce qui fait que les deux dernières phrases que nous disons, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte », Nachon ? Cette phrase-là qui se trouve à la fin du Kiryat Shema, c'est aussi une mitzvah tassée d'Oraïta. Alors on nous dit, fais attention de bien la prononcer, mot par mot. Ne colle pas les lettres. Bechol levavcha. Non, pas Bechol levavcha. Bechol, tu t'arrêtes, levavcha. Il y a eu deux lamèdes. Par exemple, il y a plein d'exemples à faire. Mais quand on nous dit, fais attention, le Baal HaKayit nous dit de lire le Kiryat Shema en son temps. Ça veut dire qu'à partir du moment où je me lève, j'ai une mahloquette, à savoir dans les Rishonim, jusqu'à quand on peut lire le Kiryat Shema? C'est-à-dire, quel est le temps, en atar, ça veut dire quel est le temps où on peut lire le Kiryat Shema qui soit dans la mitzvah du Kiryat Shema. Donc, par exemple, des fois, le Shabbat, il y en a qui prient à 9h, en été. Mais à 9h, le Kiryat Shema, il est déjà passé. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il faut le lire? Avant 8h, avant 8h30. Donc, tu peux être chez toi, tu fais le Shema Israël, après tu vas à la Beit HaKnesset, au moins tu as lu le Kiryat Shema en son temps. Quelqu'un poserait la question, il est d'accord, mais si le temps du Kiryat Shema est passé, le mec s'est levé, il est déjà 11h du matin. Le temps du Kiryat Shema, déroule l'alma, il est passé, goodbye. Il ne le fait pas. La Gemara nous dit, tout celui dans Maseret Brachot qui fait le Kiryat Shema en dehors de son temps, dino kekore batora. Il aura le salaire d'avoir lu chaque mot. Vous savez que chaque fois qu'on lit un mot de la Torah, on crée un ange, comme c'est marqué dans le livre Binyan Olam Perek Aleph. Donc à partir du moment où il vient et qu'il a passé le temps, il a raté la mitzvah du Kiryat Shema, mais il prend le salaire de chaque mot. Donc, bien entendu, vous avez compris que s'il a fait tout le Kiryat Shema, combien d'anges il a créé? 248 anges. D'accord. Troisièmement, les Chachamim nous disent le Kiryat Shema a une force extraordinaire, c'est que c'est un karcher pour enlever toute l'impureté qu'on a sur, autour de nous, sur nous. Le Shema Israël met les mauvais esprits à distance. C'est pour ça que quand une personne décède, on lui fait le Kiryat Shema. Pourquoi? Parce que dès qu'il décède, son âme sort. Hein,
McDonald's est ouvert spirituel, tous les démons, toutes les mauvaises choses se jettent sur le corps. Le fait Shema Israël, qu'est-ce que ça fait? Psst. Ça fait une barrière spirituelle, les 248 mots se tiennent comme des videurs, et ils mettent en respect les anges accusateurs, les anges maléfiques qui veulent éventuellement, les esprits maléfiques qui veulent éventuellement prendre possession du corps et en réalité sentir les mésotes qu'il a fait avec son corps. Alpi Kabbalah. Donc, Eve Zahir Bekriat Shema. Rabbi Shimon ben Netanel, on avait vu qu'il avait peur de la faute. Vous vous rappelez, les cinq élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Shimon ben Netanel, il rechète. Lui, il a peur de la faute. Il nous dit, fais attention, hein, quand tu fais le schéma Israël, c'est pas prendre à la légère le Kriat Shema Israël. C'est pas, le schéma Israël, c'est pas Stam. D'accord ? C'est recevoir sur soi le joug divin. C'est pour ça que, Ol Malchut Shamaim, comme on dit, Ol Aïn Malchut Mem Shamaim Shin. C'est le lettre du mot schéma. D'accord ? Et le schéma Israël, on se pose la question, des fois, on dit, vas-y, schéma Israël. Il dit, le schéma Israël est tellement important qu'il équivaut aux trois tfilotes de la journée. Shaharit, Minha, Arvit. Shin, Shaharit, Minha, Mem, Arvit, Aïn, Shema. Tellement est important le Kirat Shema. Parce qu'il y en a qui disent que la prière est de Raïta, il y en a qui disent qu'elle est de Rabanan. Et Kirat Shema, Batouar, Chezé, de Raïta. Pour vous dire l'importance du Kirat Shema. La reine, le matin, Shaharit, le soir, Arvit, avec Rabbeinu Tam, encore Kirat Shema, Shimushé Rabba, encore Kirat Shema, celui qui met les tefillin de Shimushé Rabba pour Mincha, par exemple, ou avant d'aller dormir, Kirat Shema du sommeil est très, très important. Je me rappelle que mon Rav, Rabbi Moshe Ederi, je vous l'avais déjà dit, il me disait toujours, de toutes les mésotes de la Torah, il y en a une sur laquelle tu dois jamais, il n'y a pas d'excuse. Laquelle? Mais Kirat Shema Lamita. Avant de dormir, toujours fais très attention. Alors un jour, j'ai dit, pourquoi Rav? Il m'a dit, parce que quand tu meurs, le Kirat Shema Lamita, il rentre avec toi dans la tombe pour te protéger. D'où l'importance de lire toute sa vie Kirat Shema de tout son cœur, mamash de tout son cœur, avant de dormir. Ou bitfila, litpalel, kol tfila, ou tfila, bismana. Et c'est pareil pour la prière. Bien entendu, on parle de la Amida. Donc un homme doit faire trois prières par jour, une femme au moins une. Si elle fait deux, si elle fait trois, t'as voix à la bracha. Fait, pas de problème. Sheken, chaviva, mitzvah, beshaata. Comme c'est marqué dans Maaseh Psachim, à la page 68, Amoud Bet, que HaKadosh Baruch Hu adore la prière des gens, surtout quand elle est faite en leur temps. C'est-à-dire, d'où l'importance de faire la prière dans le temps réglementaire. Donc si la femme s'est levée trop tard, elle va faire shaharit. C'est pas grave pour elle. Elle fait mincha. Et si elle a raté mincha, elle fera arvit. Ou kshata mitpalel, altatz filat rakeva. Chova kavua. Alors écoutez bien. Là maintenant, il y a une façon de prier où Dieu va écouter dans sa grande miséricorde. Mais le mieux, c'est de suivre le mode d'emploi de la prière qui dit Chova kavua. She en adam ose ota, ela kede le male et chovato. Ne viens pas prier pour te débarrasser de la prière et ne viens pas prier pour faire ce que tu avais à faire et t'acheter ta bonne conscience. Mais comprends bien que chaque fois que Dieu te laisse prier, c'est un mérite qu'il te donne. En d'autres termes, quand tu viens prier, viens avec itlaavut, avec joie, avec simcha. Ça me rappelle l'histoire d'un copain à moi qui a fait une teshuva incroyable et il était en train de traiter une affaire de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est pas pour dire plus. Et il était très excité comme ça, il lui a dit, donc son interlocuteur qui était là en train de parler d'affaires, il lui a dit, je vois que vous êtes content de cette affaire. Il lui a dit, non, pas du tout. C'est que dans un quart d'heure, c'est mincha, je suis très content. Il lui a dit, ah bon, c'est quoi mincha? Il lui a dit, c'est la prière. Et ah, je pensais que c'était le contrat qu'on va signer de plusieurs. Il lui a dit, non, ça c'est du papier, il lui a dit. Je vous parle de rendez-vous que j'ai avec le roi des rois. Attends, avec qui parlez-vous après? Avec un goy. Il a rien compris. Donc il lui a dit quoi? Il lui a dit, non, moi j'ai rendez-vous avec le roi des rois. Alors le non-juif, il lui a dit, mais. C'est quoi le roi des rois? Il lui a dit Dieu. Il lui a dit oui. Et vous êtes content d'aller parler avec Dieu? Il lui a dit oui. J'ai rendez-vous avec Dieu. Mincha, à une heure précise à la synagogue, il lui a dit. J'ai mon endroit. Donc c'était en bas de son binyan, il y avait une synagogue. Juste en bas, à la même place, je vais parler avec Dieu. Et donc je suis très content. Il n'a pas compris. Il a dit ah bon, ben, je vous souhaite bonne prière. Il lui a dit merci beaucoup. J'ai rendez-vous avec le roi des rois. C'est pas Stam. C'est pas. T'as fait Mincha? Ouais, je vais aller, ouais. T'as fait Arvit? Ouais. T'as fait Mincha? T'as fait Shahari? T'as fait? Oui, j'ai fait. 2 et 2, 4, 4 et 4. Oui, pas de problème. 8, 8 et 8, 16, 32, 64. Oui, c'est bien. C'est des chiffres qui se. Non. C'est pas des mots à dire. C'est pas. On a vu que le serpent, Dieu, il a maudit. Et il a dit quoi? Je t'interdis de prier. Mais nous, il nous a donné le mérite de lui parler.
il lui a donné le mérite de prier. Et la reine, il dit, Rabbi Shimon ben Netanel, quand tu viens pour prier, n'aie pas l'impression de te débarrasser de quoi que ce soit. Tout cela, Rabotai, qui nous met en garde sur la valeur de la prière. Dernière des choses à faire aujourd'hui dans les temps modernes, c'est le portable. Il est interdit. Interdit, mamache, d'avoir le portable près de toi quand on prie. Il faut l'éteindre. Dans les synagogues, il faut l'éteindre. C'est devenu un fléau dans les Beth Knesiot. C'est devenu un fléau, on prie. Une fois, j'étais avec quelqu'un, il y a très longtemps, enfin, la dernière fois, il y a pas mal de temps, j'étais au restaurant avec quelqu'un, et il voulait faire Birkat Amazon, il sort son portable. C'est avec le Birkat Amazon encore plus élevé que la prière. Ouais. Je lui dis, attends, j'ai lui demandé qu'elle t'apporte un Birkat Amazon. Non, non, c'est bon, j'ai sur mon portable, j'aime bien. En plus, c'est éclairé, c'est mieux pour moi. Je lui ai dit, ok, comme tu veux, moi, j'aurais pas fait. Mais Hachem a Itazot, il est en plein Birkat Amazon, il reçoit un WhatsApp, et d'un coup, pendant Birkat Amazon, je vois répondre. Je lui dis, attends, c'est... Zassour. Vous voyez pourquoi il faut prendre un livre? Uniquement si tu ne peux pas faire autrement. Mais ne réponds pas, tu es avec Dieu. Tu ne peux pas faire ça. La reine, fais très attention que la prière soit préparée. Mais chas v'shalom, ne pas donner l'impression de l'it pater mimena. Tu ne fais pas une tova à Dieu. Tu ne rends pas service à Dieu quand tu pries. Tu te rends service à toi. Mais il faut avoir un niveau pour ça. Donc au début, on a l'impression de faire une tova à Dieu. Voilà, j'ai prié pour Dieu. C'est bien. C'est comme un enfant, il dit à sa mère, allez, je vais te faire une tova, je vais apporter le yaourt pour que tu me le donnes. Tu fais une tova à ta mère, qu'elle te donne, elle, le yaourt. Tu veux te l'apporter, c'est toi qui ne manges pas. De la même façon, quand tu viens prier, Dieu n'a pas besoin de tes prières. Dieu, il sait exactement ce qui se passera, ce qui aura, il a existé, il existera. Toi, non, par contre. Azmaïe. C'est lui qui te fait une tova de t'écouter. C'est toi qui as besoin de lui, lui n'a pas besoin de toi. Mais la reine ne montre pas que quand tu viens prier Hachem, ce soit Chas v'Shalom, que Ilou, tu le rends service. Retire cela de toi et travaille-toi. Alors, Hamim et Tahanunim, l'ifne amakom, baruchou, l'itpalel, baota, kabana, bilshon, Tahanunim, bakasha, Rahamim. Et quand tu viens prier vers Hachem, viens un petit peu comme quelqu'un qui vient supplier, des supplications, comme quelqu'un qui réalise que c'est qu'une créature face à un créateur, et non pas d'ego à ego. Tu vois? Dans certaines personnes qui prient, eux, ils se mettent à quatre pattes. Ils se mettent le ventre à plat. À plat, à même le sol. Lama. Parce qu'ils sont dans cette situation. Nous sommes des créatures. Il y a Dieu qui est grand. Il y en a d'autres qui se mettent à genoux. Dieu, chez nous, il ne veut pas qu'on se mette ni à plat ventre, ni à genoux. Il veut qu'on lui parle d'ego. Mais c'est lui qui nous élève à ce titre. Ne viens pas prendre ce titre de toi-même. Je répète. C'est comme dans tout. C'est un patron, quand il élève ses ouvriers à un haut niveau, ou un rave qui prend ses élèves et il les met à son niveau. C'est magnifique. Mais toi, l'élève, ne te mets pas au niveau. Vous comprenez ce que je veux dire? Toi, l'ouvrier, ne prends pas la place du patron. Que lui t'élève, c'est une bonne chose. Que Dieu t'élève, c'est une bonne chose. Mais toi, ne te mets pas au niveau de Dieu. Et pour cela, il faut venir avec tahanunim, humilité, soumission, nous dit Rabbi Shimon ben Netanel. Ki hanun verahum hu erahapaim. Car l'Éternel, ton Dieu, comme c'est marqué, il est miséricorde et rempli de patience vis-à-vis de toi. Et il pardonne les fautes. Et il est rempli, Bezrat Hashem, de longanime en ce qui te concerne. On a trois prières par jour et elles sont toutes reliées à la même chose, que Dieu te sauve de tous tes malheurs. Et malgré le fait que tu as fauté, il te permet de prier devant lui et il te remet à demain les dettes que tu as déjà pour aujourd'hui. Deux, chez Itiv Lo Veimale Michalot Libo. Deuxième chose, quand tu pries, tu viens demander à Kajoukou toutes sortes de choses, et Dieu viendra lui-même te remplir. Donc, qui rend service à qui, veut dire Rabbi Shimon ben Netanel? Il dit, tu vois pourquoi tu viens prier? Ouais? Tu reviens, tu dis à Dieu, Akel, Agadol, Gibor, Vanoura, Lelion, Gomel, Hasadim, Tovim, Konakol, Vazoche, Hazavot. Il dit, c'est bien. Mais c'est Dieu qui te permet tout ça. Normalement, imagine maintenant quelqu'un, vous comprenez un peu ce qui se passe. Quelqu'un, quelqu'un fait du mal à une personne, il fait beaucoup de mal. Style, il n'y a qu'à parler avec le mur, celui-là, tu ne vois pas pour qui il se prend. D'un coup, il a besoin de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient lui dire, heureusement que tu es là, tu es quelqu'un de bien, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Moi, juste avant, tu bafoues mon nom, tu me mets par terre et maintenant tu viens me complimenter, mais tu es un débile. C'est ce qu'on fait à Dieu. On n'écoute pas la Torah, les mitzvot, on fait des averot. Après, on vient faire la mida, on dit Hachem, c'est fatalité, mais attends, mais tu es un débile. Sur ça, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit, moi,
Je suis rempli de patience et je remets à demain tes fautes. J'oublie le mal que tu as fait, comment tu m'as oublié pendant ces moments-là, quand tu arnaquais, quand tu parlais mal, quand tu insultais, quand tu regardais les meufs. Tout ça, je le mets de côté. Pourquoi ? Parce que tu viens vers moi. Parce que je suis patient. Qui rend service à qui ? C'est moi, il dit Hachem. Deuxièmement, il dit, qui a besoin de quoi ? Moi, j'ai besoin que tu me rendes service ? Pas du tout. Quand tu viens prier et que tu me demandes, Rofer Habassar, que tu nous soignes, Mevarech Hashanim, bénis nos années et nous ramener sur la terre d'Eretz Israël. C'est pour moi ou pour vous ? C'est pour vous. C'est moi qui te rends service. Parce que je pardonne tes fautes. Car Rebbe, Hasadavimmo, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il multiplie beaucoup son chesed qu'il a avec toi. Tu crois que tu me rends service ? Tu ne me rends pas service. C'est moi qui me travaille, dit Hashem Mimidot, je suis le roi des rois. Je te permets de me parler. Je t'écoute. Dans ma grande miséricorde, de te faire payer sur place, ah, tu viens me voir en plus, et ben c'est l'occasion. Tac ! Au contraire, je te dis non, ne te mets pas à quatre pattes. Ne te mets pas à genoux. Mets-toi droit devant moi. Je te mets à mon niveau, il te dit Hachem. Panim el panim. Je te mets à mon niveau. Moi, je t'élève. Et tu crois que je suis mon service ? C'est moi qui fais de toi ce que tu es. Ta poitrine, le cœur qui bat dedans, c'est moi qui le fais agir. En deux secondes, je peux te faire disparaître. Ki regabe apohem birtsono. En un seul instant, à Kojbuchu, pac ! Je viens d'apprendre hier soir qu'un ami à moi, grande connaissance, à Bercheva, parti d'un infarctus, hier soir. Infarctus, pas de problème de santé, nickel. S'assied sur le fauteuil, met Rega Ehad. En un seul instant, il a toujours existé, il existera après. Il te rend ce service. On l'entend, mais est-ce qu'on le vit ? Et il dit ici, les parchanim, les commentateurs, Balakati, il dit, normalement, quand tu fais du mal à quelqu'un, le jour où tu vas le voir, qu'est-ce qu'il fait ? Il te chope, il va te faire payer. Il dit, je ne comprends pas. Tu fais les choses de travers. Tu rentres dans la Mida pour me rencontrer, tu fais trois pas en arrière, trois pas, et tu viens me rencontrer. Normalement, à ce moment-là, je devrais, tac, te donner sur la tête. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Il dit, Baruch Abba, Eziofi, tu me parles. Voyons comment tu vas me parler. Et le mec dit, Hachem, ça va être le travail, il pense à la banque, il pense à faire des courses. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. Comme je t'aime, je t'écoute, je te laisse le temps de te rattraper. Je te laisse le temps. Peut-être tu vas voir une phrase où tu vas être avec moi dans ce que tu vas dire. Zeperu Shadavar, qui dit ici, il y a que je vous fous. Venihem ala ra'a, shira uilo. Tu te rends compte ? Il passe au-dessus du mal que la justice exige que l'on te fasse. Et au contraire, que je vous fous, il est fier de toi que tu viens le voir. Et que tu te rapproches de lui. Car, avant que le shloshet minet filot lo yasig adam et là il y a des échecs de Dieu ou hanun berachum. Ça me rappelle un peu. Il dit et tout ça parce que Dieu est rempli de miséricorde pour chacune de ses créatures. Ok. Vous savez, des fois on dit ah ça a réussi, je suis content, j'ai prié. Les Chachamim disent c'est assourd de dire cette phrase. C'est assourd de dire parce que tu as prié l'autre il a réussi. Ça veut dire que Dieu est à ton service. Ah je parle avec Dieu. Et Dieu, il a fait. Ou, ça veut dire que toi, tu es un tzadik gamour. Tzadik ozer, Hashem et Kayem. Le tzadik, il leur donne et Dieu, il fait. Alors, comment on dit ? Ah, on dit comme ça. Ah, Baruch Hashem, dans sa grande miséricorde, Akadosh Baruch Hu a accepté d'écouter ma prière. Ça change tout. Et c'est ce qu'il dit ici. On ne dit pas à quelqu'un, ah, ça y est, tu as eu ton travail, Baruch Hashem, tu vois, j'ai prié pour toi. Assourd ! Assourd de dire une chose pareille. C'est de l'orgueil. Tu es en train de dire quoi ? Que toi, quand tu parles, Dieu, il court écouter ce que tu racontes, comme si c'était lui le serviteur et toi le roi. Pas du tout. Quand tu viens et que tu pries quelque chose et que ça réussit, tu dis, ah, Baruch Hashem, dans sa grande miséricorde, Borei Olam, il a écouté ma prière. C'est du chesed que Dieu fait écouter. C'est comme ça qu'on formule les choses quand on a du savoir-vivre et de la connaissance. Et là, d'un coup, il nous jette un enseignement supplémentaire qui nous dit, et ne sois jamais rachat à tes yeux. Ben, pourquoi ? Et si t'en es un ? C'est bien de reconnaître. Tu ne peux pas soigner une maladie si tu ne sais pas où elle est. Tu ne vas pas déplacer le problème. Si c'est un rachat, t'as un rachat. Au contraire, un homme, il doit se voir petit vis-à-vis de lui. Il ne va pas se voir, moi, je suis... Au contraire, la malo. On dit, d'accord. Que tu ne vois rien, Afar va et faire. Très bien, comme a dit Abraham. Quand tu viens, comme Moshe Rabbeinu qui a dit, Venachnouma, et qu'est-ce qu'on est ? Rien. Ok, c'est super. Quand tu dis comme le roi David, Anitolad Veloish, je suis un ver de terre, même pas un homme. Bah, tu vois bien, c'est bien. Il n'a pas marqué une seule fois, je suis rachat. Rachat, tu n'as pas le droit de penser sur toi. Et si tu l'es, pour ne pas le penser, fais tchouva vite. Comme ça, tu n'as pas le droit de penser. La Torah nous met en garde. Elle nous dit, fais attention, ne te vois jamais comme un rachat. Peut-être qu'on en est un. Il dit non.
D'un côté, si t'en es un, c'est une chose. De l'autre côté, t'as pas le droit de le penser. Donc, fais en sorte que tu n'en sois pas un pour pas que tu le penses. Arrange-toi. Fais tchouba. Voilà ce que cela veut dire. Al tiyeh rasha filou be'ene atzmecha, shelo ta'aseh davar she'ayom o machar tachshia et atzmecha. Et donc, en d'autres termes, ce qu'il dit ici, pour ne pas arriver au degré de se voir comme un racha, ne fais rien. Ça veut dire que comme les chachamim te disent, tu n'as pas le droit de réaliser que tu es un racha, ne réalise rien qui te permette de réaliser que tu es un racha. En d'autres termes, c'est pas « Ouais, je fais plein d'avérotes, je suis avec la femme mariée, je vole, je fais pas Shabbat, toutes sortes de choses. » Et le mec, il dit « Mais je suis pas un racha parce qu'il y a marqué « Il ne faut pas être racha. » Non, non, non. Ça, c'est bien pour les soulards. Non, non, non. Là, ce qu'il dit ici, c'est « Tu n'as pas le droit d'arriver au degré de faire des choses où tu vas dire « Mince, moi, je suis un racha. » Zassour. Dans la chassidoute, on donne un autre enseignement. On dit que même si tu es un rachat et que tu penses que tu es rachat, tu vas tomber dans l'yéouche, dans le désespoir. Donc comme je suis rachat, de toute façon j'ai tout perdu, je ne vois rien. Donc tu vas te permettre cette dégradation, cette descente aux enfers, parce que tu ne crois plus en toi. Rabbi Nachman, il dit, comment on doit comprendre la phrase « Ve'alti rachat bifne atzmar » Même si tu n'es pas encore 100% dans la Torah, même si tu n'es pas 100% un bon juif, même si tu n'es pas 100% tout ce que tu veux, ne te vois pas comme un rachat. Vois quand même la Nekouda qui est bien chez toi. Pourquoi ? Parce que si tu n'as pas de la lumière, ben, tu vis dans l'obscurité. Dans l'obscurité, tu ne sais pas où tu mets tes pieds, tu ne sais pas où aller. Donc tu vas stagner, donc tu vas reculer, donc tu vas t'effondrer. Ainsi donc, ne te vois jamais comme un rachat. Vois aussi, oui, c'est vrai que je n'ai pas fait du bien, mais j'ai quand même fait ça. Ainsi donc, tu prends une torche et tu éclaires un chemin. Et de cette lumière, tu montes à une plus grande lumière jusqu'à être un juif parfait. Signé Rabbi Nachman. Lama asiti racha ze. Yesh marchim al ti racha bifne atzmar. Al ti racha bedavar ze. Shetifrosh lo min atzibur ve ta'amod bifne atzmecha. Comme par exemple, il dit quoi ? Le tzibur avec le rab, ils vont dans une direction. Et toi, tu dis, non. Non, non. Je vais sur mon chemin. Sois parmi tout le monde. Ne joue pas les mecs marginaux qui te mettent en marge de la société. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que je vous explique en deux mots. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vous explique. Quand on a une assemblée avec le Rav, ça s'appelle Tzibour. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Tzadikim, Benonim, Vereshaim. Vous savez que la lettre du mot Tzibour, on l'a répété plusieurs fois, c'est la lettre du mot Tzadikim, Benonim, Vereshaim. Donc, tu es à l'intérieur du Tzibour. On dit « Al tirasha bifne atmar » Ne sois pas sorti du tibour, ne te retire pas du klal, ne te retire pas de l'assemblée pour être un rachat seul. Parce que si tu es rachat avec les bénonim et les tzadikim, les gens moyens et les gens tzadikim, ta prière elle monte. Mais si tu es rachat et que tu n'es pas avec eux, ta prière va nulle part. Dieu ne t'écoute pas dans ce cas-là. Tu n'as pas assez de mérite pour faire monter ta prière quelque part. Et la reine « Al tifrosh min atzibour » qui est déchet « Afilou ke rachat bifne atmar » Non, je peux être un rachat malheureusement, mais grâce à l'ensemble des choses, eh bien, un petit peu comme la chelbena qui sentait mauvais, eh bien, dans les 11 encens, comme elle était mélangée à des encens, 10 encens qui sentaient extrêmement bons, eh bien, elle se mélange à eux et ensemble, toutes les 11 sentent bon. Mais si je retire la chelbena, elle sent mauvais, je la jette. De la même façon, le rachat qui est rachat bifne atzmo, c'est parce qu'en réalité, atzmo, parce qu'il est face à lui-même, mais il n'est pas dans le tzibour. C'était une autre explication. Et pour finir, le Rambam, Farech, Al Tirachav Bifne Atmar, qu'est-ce que ça veut dire, ne sois pas un rachat de tes propres yeux. Al Tarchov et Tatzmecha, rachat, je vais torkar, tetse, le Tarbour, tra, le Gamri. Le Rambam, en fin de compte, explique l'explication que je vous avais donnée à l'instant, c'est que si tu penses de toi que du mal, et que tu ne vois pas des nécoudotes positives, ça ne veut pas dire que l'introspection doit ignorer le mal que tu fais. Tu dois réparer ce mal, tu dois t'arranger. Mais le Rambam nous dit, et de l'autre côté, les juifs sont pleins de mitzvot comme la grenade est pleine de grains à l'intérieur. Donc regarde aussi ce côté positif, sinon tu vas plonger dans le désespoir, le désarroi, les larmes, et en fin de compte, la haine va grandir et tu vas continuer sur un chemin qui va t'emmener tout droit au Gehinam Has V'Shalom. Alors que le mieux, c'est d'arranger ce qui ne va pas et de construire encore plus de lumière sur ce que tu as de bien dans ta personnalité. Baruch Adonai Leolam, Amen V'Amen. On se voit encore pour un 4e shiur pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Je rappelle que le shiur était pour l'élévation de l'âme de Michel Esther Hassoun
ou Asun, Bat Mana, Zichrona, Levracha, Hashem Tanahana, Began Eden Elion, que le mérite de cette étude fasse monter son âme à Mash jusqu'au Gan Eden Elion et apporte beaucoup de mazal à toute sa famille et entre autres celui qui lui a offert ses shiurim. Toda Rabba et à tout de suite.